une seule fois, Narius. Il y a un as, mais je sais qui pas la palace. Allez, il manque ta palace. Oh, il a l'as. Bon, j'ai le valet! Non, il a la suite. Ok, oh non, il a la suite. Oh, les mossieurs. Les... Oh là là. Oh putain, non, mais. Je non. Savais qu'il avait la las. Pour rien, mais vas-y, hein, good luck, Trezeguet. Alors. Ou Gingen, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, mais good luck à toi, biche. Attention, Daniel Rigolo. Allez, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ça, c'est un call de génie! Ça, c'est un call de génie! Non, mais attends, parce qu'il lui reste 27 blindes, juste le temps de. Ça dégage! Ce que j'aime bien, c'est que. Ça dégage! Ça dégage! Il a 28 blindes, bro. Ça dégage! Ma foi, s'il a mieux, il a mieux, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein. Allez, As 10, d'accord, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, les mecs. Complètement possédé. Ça, c'est bien, les gars. Ça, on a des jetons. Là, on rigole plus. Présente-toi! Qui je suis? Je suis un monsieur! Alors, on va se faire chier, on va réaliser beaucoup de temps. J'espère qu'on se fait pas setup de tous les côtés, quoi, ça serait chiant. Bah, toi, si on se fait setup, on passe directement en... Ouah, vraiment? Genre vraiment, là? Qu'est-ce que c'est que cette main, quoi? Je vais pas folder, là. Il peut avoir As-Roi, il peut avoir les As, lui peut avoir Valet-Dame, bon, il a 9 et 10 aussi, il peut avoir des... Ça pue tellement la merde, il y a des Rois-Dames aussi, hein, bien sûr. T'as, si ça overcall, par contre, on se calme. What? Mais qu'est-ce que... Oh! Oh! Oh, c'est incroyable. Oh, c'est tout pour nous, les gars. C'est rush de ouf, mais si on chope deux tapis sur une paire de 7, frérot. Là, c'est soit ça passe, soit ça casse, hein. On prend un risque de ouf juste avant la pause. Mais si cette main-là, elle passe, on est archi bien after pause. Et au pire, on perd 45 blindes. Ce qui ferait qu'on se retrouve à 90 blindes. Et au mieux, on prend un bounty, voire peut-être deux. On le tente, let's go. Allez, brûlante 7, s'il te plaît. Seigneur, qui êtes aux cieux, donnez-moi le 7 sur le tapis. Paire de 7 contre roi. Brûlante 7, oui! Pas de roi! Pas de roi! Paye-moi là. Je sais pas ce que t'as deux as, ça se croit avec le roi de carreau. Ouah, deux dames, qu'est-ce que c'est que ce call de mutant? Oui. Yeah. Ouh, c'est magnifique. Ouais, je vais passer cette main là, je suis trop chaud. Waouh, deux dames. T'es sérieux, Mathieu, t'as pas un call 6 et 8 là? Eh, hey, tu as commencé à me casser les couilles longtemps, gros? Ou quoi? Toi, c'est pas parce que t'as gagné une Monster 50 que tu peux permettre d'ouvrir ta gueule, hein? Désolé, désolé, gros. Ouais, bah, ferme-la et regarde, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, gros. Je suis pas d'humeur là. Ouais, t'es vénère, hein? Ouais, gros, je suis vénère. Voilà, flush floppé, allez. Le Monster Stack, j'ai couru partout, je me suis fait le café, je me suis fait là, j'ai pissé, j'en ai foutu partout. Je suis bien. Si tout le monde passe sur cette paire d'as, je quitte le stream. Je quitte cet établissement. Je quitte ma vie. Bon, au revoir. C'était pas vrai. Parce que j'ai peur de valet. Qu'est-ce qu'on fait? On lui chauffe la gueule ou quoi? On essaie de prendre le KO. Allez, on essaie de prendre le KO. Allez, Papouska. Allez, là, il colle 7 et 8. Oh là 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 là, sur le 30 euros. Qu'est-ce que c'est que ce call? Incroyable. Ouais, deux as, waouh, waouh. Oh, j'ai craqué ces deux as pour rien, j'ai l'impression. Brelan 3, oh, je suis magnifique, il va vouloir me plumer alors que j'ai un Brelan 3, je suis magnifique. Il doit avoir Valet ou As. Let's go. As 9, on gagne. Beaucoup de sa part. Allez, c'est pas grave. On n'est pas dans les cordes. On n'est pas dans les cordes. C'est payé, ce 3 bêtes là. On va se loper tranquillement. On va essayer. C'est payé. Oh non! Qu'est-ce que c'est que cette carte? Bankroll management, ça veut dire qu'en fait, t'es pas censé. C'est un moyen de calculer les risques que tu prends
Par exemple, si tu joues un tournoi, théoriquement, tu es censé avoir 100 fois le buy-in pour limiter la variance. Et encore 100 fois, c'est assez limite, tu vois. Donc, si tu joues un tournoi à 10$, par exemple, tu es censé avoir 1000$ dans ta bankroll pour pouvoir le faire jusqu'à ce que... Si tu es un joueur gagnant, jusqu'à ce que tu gagnes, tu vois. Allez, S10 contre Roi-Roi. Oh, il fait son un valet. La chatte à Mireille. Faut les appeler les cartes. On va prendre 2,92. Oh, la chatte à Mimi. Une blind. Rien. Deuxième fois, il craque les as ce soir. Quel chatard, c'est ça que t'as envie de dire? Dis-le, hein. N'aie pas peur. On n'a pas peur. Ce soir, nous allons chanter la victoire d'Ivan Dera. Des gros pots, il gagnera. Car une chimail, il n'est pas. Oh, 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 oh. Pas de problème. Les valets qu'on vient de toucher. Oh, just call. Oh, les gars, bah là, je vais mettre tapis. Hein. Y a pas de raison. Allez, on va call. Allez, les gars. Boum. Yes. Pas de neuf. Bon call, ça. C'est bien, ça. Ah, oh, il fait plaisir, ce coup, les gars, à ce moment-là. Plus le bounty, 29 centimes. Yes. J'ai envie d'hero call, auteur dame. Un 4, je sais pas s'il fait 1,5 blind au flop. Un 8, peu de barrel. Je colle. Vas-y, sur le tournoi, il nous a mis tapis, les gars. Est-ce que je peux fold une paire? Une over et ce beau tirage? Non. Jamais. As-Dame, m'en fous. Wouh! Oh oui les gars. Prochain événement live, Jérémy, je suis pas sûr. Probablement le Big Wrap Rosvadov dans 2 semaines à Kings Casino. Après ça, franchement, je fais pas, j'ai pas de. Ouais, let's go. 50-50. Dead. Well, I think I lose every hand tonight, so... Allez, c'est couplé. 2 et 5. Ouais! Wouh! Allez, allez!